Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé sur Twitter à mon sujet. Je me dois d'en parler parce que cette chose a pris beaucoup d'ampleur. Je vous dis d'avance, j'ai préparé ce que j'allais dire parce que déjà, c'est trop important pour oublier quelque chose et je dois bien me faire comprendre. Donc ça sera pas le contenu le plus jeune de ma chaîne et vous me verrez aussi beaucoup lire. J'ai mis un peu de temps pour prendre la parole en vidéo car de mon côté, il fallait que je me sente psychologiquement apte à le faire, que je prenne le recul pour pouvoir m'exprimer correctement et surtout, il fallait que je fasse le point sur les mesures judiciaires avec mon avocat. Parce que oui, ce qu'il se passe aujourd'hui est grave et j'ai plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir avec vous. Le premier, c'est que je dois admettre pour moi et devant vous qu'il y a une période de ma vie où j'ai été, comme qui dirait, un gros charlot, qui abordait les filles de façon ultra lourde. Quand je vois les conversations que j'ai pu avoir avec certaines filles à l'époque, j'ai moi-même du mal à réaliser que j'ai été ce type de personne dont j'ai horreur aujourd'hui. J'étais trash, cru, trop cash dans beaucoup de mes approches. J'ai parlé à des filles sans qu'on ait spécialement matché sur une appli, bref, un charlot. Par contre, à aucun moment, j'ai mis en avant le fait que je connaissais tel youtubeur, le fait que ça me rapportait de l'argent, le fait que je sois quelqu'un de connu, que je peux aller à tel endroit quand je veux. Vraiment, jamais, jamais, j'ai utilisé cette technique pour rencontrer une fille, pour lui dire, voilà, tu sais, moi je connais machin, donc si tu veux qu'on se voit, je peux te le présenter. Jamais, je n'ai fait ça de ma vie. Quand on dit que j'utilise ma notoriété pour obtenir ce que je veux, vraiment, je suis dévasté. Et c'est un mot très fort, mais c'est comme ça que mes proches m'ont défini après avoir vu l'état dans lequel j'étais, avec tous les messages haineux affirmant mensongèrement que j'abuse de ma notoriété. Le deuxième point dont j'aimerais parler, parce que j'ai aussi des messages à ce propos, c'est le reproche que l'on me fait par rapport au plan A3, qui, je le rappelle, est le fantasme numéro 1 des Français. C'est avec mon ex-copine que j'ai commencé à vivre ça, mais on savait pas vraiment comment s'y prendre. Surtout dans une situation où les rencontres spontanées sont très rares, étant donné que je sors peu. Et comme ça m'arrive que les filles viennent plus ou moins me draguer ouvertement en DM, on a commencé à répondre à ces messages-là. Pris par le truc, je me suis mis à répondre ensuite à des personnes qui n'étaient pas du tout ambiguës. Par contre, à aucun moment, cela a tourné en casting d'abonnés. Parce que oui, pour ceux à qui ça a échappé, j'ai rencontré la femme de ma vie il y a un an, et tous les jours, elle me fait devenir quelqu'un de meilleur, et mes proches me le disent. Le troisième point, c'est que tout le monde commence à tout mélanger. Des accusations graves à des trucs bateaux, comme le fait que j'ai dragué des filles parfois lourdement, mais parfois absolument pas, le fait que je fasse des plans à trois, le fait que je fasse des vidéos pour parler de sexe de façon libérée. Et on se retrouve à avoir des témoignages juste là pour mettre leur grain de sel et parler de moi. Mais je tiens à rassurer tous ceux qui me soutiennent et qui sont là pour moi. Toutes les personnes qui participent à ce harcèlement et à ces diffamations, parce que oui, ça en est, font partie des individus contre lesquels j'agirai systématiquement en justice. Et petit rappel, vous pouvez vérifier chez vous, mettre en avant des conversations privées, réelles ou non, pour porter atteinte à quelqu'un, c'est une infraction.